Et bien sûr mes petits cauchemardons, salut les Sky, aujourd'hui on se retrouve pour une aventure sur Horizon One Down sur PC. Et on descend, ouais, maîtrise. La maîtrise de Aloy. Alors, du coup, hop. Voilà. Tiens, je me demande si c'était pas ici que l'objet était d'ailleurs, que je parlais dans la précédente vidéo. Il n'y avait pas une connerie quelque part. Putain, je sens que je vais le louper. C'est pas grave, au pire je les ferai en off. Bon, allez. Wouhou! Alors qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Des monstres? Un ennemi surpuissant? Mia Khalifa qui arrête le porno? Ah merde, c'est vrai, ça a déjà arrivé ça. Ah, j'ai encore mon Turchan, c'est bien ça. Ah non, 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 non! Faut que je me taille! Je les avais oubliés! Et en plus, ils ont tous repopé, c'est ça le pire. Tous les ennemis de la zone ont repopé, quoi. Bah, c'est pas grave. Je maîtrise la roulade à la perfection. On va juste aller bien loin. Comme ça au moins, pas trop de soucis. Voilà, allez. Ignorez-moi, après on va se téléporter. Parce que j'oublie toujours qu'on peut se téléporter dans le jeu. Et puis vu que j'ai pas forcément envie de faire 3500 mètres en fait. Oh, récupérer cet antique. Zone complète 27. Donc ça c'est clairement mort. Fleur de métal. Ok, donc je peux techniquement me TP ici. On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? Oui. Téléportons-nous. Des pick-ups et pickers bricoleuses pour pouvoir retirer et réutiliser les articles de modification fixés sur les armes et tenues. Waouh! Sachant que les mods les plus intéressants sont forcément en bleu, au moins, minimum. Puis je suppose que c'est en violet. Je sais plus c'est quoi le code des couleurs de mon jeu. C'est quel level ça? 18. Waouh, tout ce qu'on a débloqué quand même. Donc là, il y a un camp. Ça va quand même, hein? On a quand même fait une bonne traversée, hein? Bon. Déjà objectif, trouver de quoi se soigner. Parce que là, ça va être dur, ma Lucette. On va donc aller faire le chemin à pied. Parce qu'il nous faut de la ressource. Ouh! Au vu de ce que je vois là-bas, ça n'a pas l'air joyeux. Je pense que vous savez pourquoi ça n'a pas l'air joyeux. Et bien entendu, ils sont juste à côté du campement, sinon c'est pas drôle. Vous imaginez, je me téléporte à côté et ils sont encore là. Et pas un piggy! Non. Piggy, piggy, piggy. T'avais que de la dinde, quoi. Chier. Est-ce que j'ai une compétence? Ouais. C'est quoi ça? Tu peux des ressources en... Bonne question. Moi, je vais attendre. Non, je vais pas attendre. Ça a l'air très utile quand même, parce que... je pourrais me faire chier. Allez, mon Turchan. J'ai plus mon Turchan. J'ai plus mon Turchan! Sûrement parce que je me suis téléporté, que j'étais plus dans la zone. Ah! Il y a les crabes. Essayons de les esquiver, ça sont que des récolteurs à la con! Ta gueule, toi. Je dis. What? Mais. Mais! Aloy! T'es sérieux, je dois faire un coup lourd pour le tuer? Ça apaisera ma faim. Non, je
pas là. Je ne suis pas là, je suis une ombre. Expert de la roulade, 15 ans d'expérience. Oh putain, mais ils sont partout! Ils sont quel level d'ailleurs? 18. J'ai pas encore ce qu'il faut. Ignore-moi. S'il te plaît, ignore-moi. Et le jeu, s'il te plaît. Mets un peu plus de buisson, sinon je vais crever. Vitesse grand V. Oh. Là, il y a eu de la bonne. Ah, mais corne filante. C'est pas ici. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas le moment, s'il te plaît. Reste tranquille. Il m'a vu. Putain! Il est sensible au feu, lui, à vous soutenir. Juste au niveau de sa gorge, en plus. Putain, mais il esquive tout ce PD, là! Non, non, venez pas vous battre avec moi, s'il vous plaît! Oh putain, y'en a un deuxième! Ce n'est pas la baston de ma vie, ça! Oh putain, j'ai alerté tout le monde dans la zone magnifique. Mais non! Pourquoi ce jeu me déteste tellement? Putain, putain, mais c'est une alerte générale, là! Ouais, putain, lui, quoi, y'a trop de kiff. Ah, j'ai pas le choix, je me tire. Je pensais qu'ils allaient arrêter au bout d'un moment, mais apparemment. Ça va encore que je suis là ou pas? Tire au hasard. Pas en mode couillon là normalement. Et viens ici. Voilà. Faut bien pexer un peu quand même. C'est bon le jeu, je suis au courant, merci. Non, je pouvais les faire les roulades sans bruit. Tac, tac, tac. Voilà. En 50, ça va, c'est pas dégueu qu'au niveau des dégâts. On a un petit peu de soin quand même. Bon, est-ce que je peux avoir un petit moment de tranquillité? Alors, t'es mort. J'ai déjà trop de choses. C'est quoi, je peux pas prendre? Putain, mais regardez ça, comment je déborde du cul, quoi. Je crois que je débordais pas autant quand j'ai fait Horizon Zero Dawn sur PS4. Hein. Et bien entendu, je peux pas goûter lui. C'est pas drôle. Ça se gardera. Faut pas croire, vers la fin faudra un maximum de ressources. Moi je me souviens très bien de la fin. Et même pas en rêve sur PC, je le fais sans l'armure légendaire. Ça c'est mort. J'irai les refaire. Oh! Au pied, gros! Il voit même pas ma tête dépasser, quoi.
maximum ressources, maximum pépettes. Par contre, un éclat par monstre tué, c'est un petit peu stupide quand même. Hein. Je vais venir quand même dans la zone s'il n'y a pas de. Putain, je trouve plein de types de machines, mais. Ça m'intéresse pas trop, je vous avoue. Attendez un instant. Voilà, allez. Je la préparerai plus tard. Je la fumerai plus tard, ouais. La belle brume. Quoi ici? Pas grand chose. J'adore comment je vais à droite et après le jeu me dit ah non 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 non, va à gauche hein. Vas-y, troll-moi, je te dirai rien le jeu. Mais je t'aime quand même, t'inquiète pas. C'est quand même un excellent jeu, même sur PS4. En fausse 4K 30 FPS. Je peux pas pirater cette machine. Je dois encore en apprendre. Oui, mais écoute le jeu. Y a... What? D'où tu sors? Oh bah il est mort. D'où il est sorti le mec là en mode YOLO? Ah non d'accord, en fait il y a des vagabonds dans la zone, ok. Mais si c'est frais voyons. Oubliez-moi. J'ai juste fait 2 mètres, hein. J'ai rien signalé. T'as aucune chance. C'est pas ces quelques herbes qui vont te sauver. Sûr. Apparemment, ça a bien marché, hein. Les petites herbes. Je dois poser quelque chose. C'est pour ça que je voudrais un petit Piggy là, ça va se faire mal, je vais retourner dans la zone de départ pour affronter les Piggy quoi. Ouais, j'avais pas remarqué, attendez. Ah, regardez ça, il y a des. Stylé. Bon. En fait, ce que j'ai vraiment pas, c'est qu'on va devoir. C'est quand on aura le combat forcé avec le gros. Je ne capte la présence d'aucun focus à cet endroit. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien toute seule. En route. Merci. Je vais me débrouiller toute seule. Il est mort. Il est mort. Hop, 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 hop. On va se calmer un petit peu là. Et voilà. Bon, est-ce que je peux vendre maintenant, s'il vous plaît? Alors, ressources. Vendre. Bon, elles sont où les merdes? T'as regardé tout ce que j'ai, quoi. T6 very hallucinant. Je sais même pas à quoi ça, moi, j'ai des trucs. C'est pas grave. Allez, on y va. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on m'a entendu. Oh merde. Non, j'entends pas. Oh merde. Bon, tu tournes le dos? Pas de soucis, Boeing. C'est mort, gentil, voulait venir mourir. Je sais pas trop ce que c'était, ça. C'était moi, écoute. Allez, rien de tomboule. Waouh. Ah mon dieu, quelqu'un est mort. On a un mort ici. Oh non, commence pas.
Alors mets ton cul, quoi. Reste pas là. On n'est pas seul. Bien sûr que t'es pas seul, je suis là. Tant que tu viennes. Je crois que... Enfin, je sais plus. Je crois que... Ah, mais je sais plus. Ah, j'ai la mémoire courte, Maurice. Ah, là, ils sont vraiment pas pressés. C'est une blague. Oh. Je t'entends, tu sais. Eh, je sais que tu m'entends, non. Ramène ta gueule. Oh là là, je vous jure. Ça dégage ou pas, non, ça? Oh, le beau temps. Dans l'ombre d'un démon de métal. Super. Soigné. Ah non, c'est pas un robot. Okay. Parce que le petit bruit là, j'ai cru que c'était un bruit de robot. Descente rapide. Il y en a aussi à l'intérieur. Oh bah, il est tout seul. Ça se gère. Ouais, ça se gère, là. Ah, par contre, la coiffe sur mes couilles là. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Opération victoire pérenne. Ça veut dire quoi? En tout cas, j'ai pas l'impression. Ah, mais merde, c'est un chef, j'avais pas vu. C'est bon. Putain, j'aurais dû tuer le chef avant. En fait. Cette pièce. T'as quoi sur toi? Alors. On fait des morts, hein. Bon, on va y aller. Ah, mais je me souviens, c'est dans la nécropole que les soldats dormaient. Comme dans la cabane du cœur de la mer, j'imagine. C'était quoi cet endroit? Les meubles étaient en métal? Ça devait pas être très confortable. C'était là. Un seul lit. La chambre de leur chef, peut-être. Je vais aller où? Ah, encore descendre. Ah, j'ai bien cru que j'allais me fail. Alors. Une lumière rouge. Ces câbles doivent mener à la source d'alimentation. Alors. Ah la 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 lucette. Alors. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Ça doit être un genre de code. Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. Ah bon? Fais pas juste. Bon, apparemment, elle va. Ouf! Il y en a aussi en bas. Hey, vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été. À l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein? Michael Tekos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. Trois câbles, trois sources,
En voilà une. Ok. Une information utile. Une information utile. Je suppose que c'est pas la même, hein. Ce serait trop beau sinon. La marque. Non, c'est pas la bonne. Ah! Merde, je suis con. Ok, donc ça c'est en haut. Bah voilà. P2-2. Encore une. Hop! Oups, ok, c'est de l'autre côté pour l'échelle. La El Famoso information utile. Ah, à moins qu'on arrive à scanner le truc, tout simplement. Bah ouais. Alors. Oh, bah gauche droite, c'est ça. Oh. Bah. Gauche. Et droite. C'est bon. Je suis un génie. Apparemment, non. Et la gueule par terre, je suis pas un génie. Je pensais qu'elle allait se rattraper, mais. Apparemment, là, il n'a pas eu envie. Faudra que je me méfie d'elle, là. Des bruits d'outils et des voix. Sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. Et voilà, la batterie. C'est bien eux. Ils ne cherchent pas des réponses. Juste des armes. Ok, donc il y a un chef là-bas. Et il y a ma prochaine victime là-bas. Oh putain, ma mère. Voilà, moi. Comment est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas de hautes herbes pour se planquer dans le jeu? J'ai repéré quelque chose. Mais c'est une blague! Mais fais le clic là! Merci. Ah, mais casse-toi! Oh merde! Baston! Par contre, lui là, hop 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 hop. J'ai envie de descendre. On s'est ignoré pendant un petit moment. Mais c'est une blague! Ah, ça va aller vachement mieux comme ça. Ouais, même vachement mieux mieux. Putain, mais pourtant j'aurais juré avoir eu l'option pour le tuer quoi. Ah là, j'en peux plus de ma propre incompétence à pouvoir bien timer à l'appui d'une touche là. Pourtant j'avais pas eu autant de problèmes sur. Pas de problème, c'est grandir. Et hop. Non, l'œil, par là, s'il te plaît. Bien bonjour.
Où est le sauna de massage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est une carte. Une carte? Mais de quoi? Du monde. De la planète Terre, Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Pourquoi je penserais ça? Pendant les éclipses, l'ombre portée sur la Lune est courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça, vu de loin. On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Les robots pharaons se sont répandus dans le monde, en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment ? Moi qui aime voyager léger. L'éclipse. Il bricole le démon de métal. Veillez quand même. Faites attention. Encore un copèche. Et celui-ci bouge. Oh merde! Un mec de garde ici. Ah putain. En plus, je me souviens, si on reste trop ici, on se fait niquer. Tuer le porte-mort, mais t'es comique, hein! Pourquoi tu voudrais tuer un porte-mort en vrai? Faut que je fasse des shots précis là. Fini l'approche discrète. Mais quoi? Il m'a vu? Il m'a vu alors qu'il me tournait le dos? C'est une blague. Pourquoi je voulais pas revenir ici? Voilà. Ah putain. Ok, donc pas tuer les deux gros cons à côté du monstre. Ah oh, putain, mais vous êtes sérieux? On doit se retaper la cinématique. De toute façon, je ne peux pas affronter le porte-mort en hauteur, c'est trop dangereux. Ah, on peut passer à la cinématique. J'ai dit, est-ce qu'on peut passer à la cinématique? Encore un copèche. Et celui-ci bouge. Eh, fallait que tu bouges, hein! S'il te plaît, vous pouvez vous tourner, les mecs? Les robots de chat, tu peux. Tourner aussi? J'ai pas envie, ok, donc.
fini. D'où ? Non, ouais. Hop. Ah, allez, à terre. Oh, les roquettes par contre. Oui, oui, oui. Allez, on se taille, on se taille, on se taille, on se taille, on se taille. Est-ce qu'il y a encore un garde? Alors, c'est quoi tes points faibles encore à toi, bâtard? Ouais, il peut pas péter ça. Putain, il... Aïe. Attendez, je peux le péter du tac là, on va péter à ces armes à la con là. Voilà. On fait une petite roulade. C'est pas grave s'il reste que des héroïnes, moi ça me va. Voilà, je vais péter ça. Alors, du coup, maintenant le plus marrant c'est ça. Il va s'en servir. Je vais tout casser, moi, rien à foutre. Ah, mais attendez, il n'y avait pas une histoire où est-ce qu'on pouvait ramasser les armes? De toute façon, lui, il fallait faire un truc avec les surchauds. Je me souviens plus c'est quoi. Je sais pas, c'est pas les corps là qui brillent. De toute façon, ça va, on a de l'espace pour le fighter, c'est pas le problème. Allez, je vais péter ça là. Pas être ainsi tout le temps. Je veux bien péter saleté. Waouh. Wow. Ça va parce qu'ils sont lents. Aïe. Oh. Pas fait pour autant. Ça a marché. Ah, ces soldats dans le passé. Ils devaient combattre des centaines de ces choses en même temps. Eh ouais. Ah putain, allez, vas-y, je vire les modes. Vert. Déterminé, décomposé, 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 décomposé. Là on commence à avoir du bon mode. Voilà. Même pas en rêve, je prends. Voilà. C'est sympa. Attends, il avait quoi? Parce que c'est quand même des trucs importants. Le cœur de la mort. Non, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Ressources. Je m'en fous, je vais dire un truc qui me sert à rien. La potion de résistance. Voilà.
rien à foutre. Je j'ai de la cœur. Chance. De toute façon, je crois que j'étais obligé de le prendre. Merci, docteur Sebek. Asseyez-vous. Quoi ? Vous lui êtes reconnaissant après ce qu'elle vient de dire ? Le docteur Sebek a parfaitement éclairci la situation, commandant, mais nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. Mais c'est juste que... Enfin, mon Dieu ! Peut-être voulez-vous en parler en ligne ? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Ted Faro signera le chèque, mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer Hope Zero. Ça, on ne l'obtiendra que par le sang. Oh, s'il vous plaît, si on améliore notre flotte, qu'on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté. Les robots ne combattront pas à votre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin, on va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir. Commandant... L'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue. Et il s'alimente de biomasse. Hope Zero, c'est tout ce qu'on a. Alors on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer, et les envoyer au front. Comment on va les motiver ? En leur donnant une bonne raison de combattre. Hope Zero. Le programme top secret de super-armes qui nous sauvera si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le docteur Sobek et son équipe le terminent. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Pérenne. Le plan de bataille ? C'est un crime de guerre ! C'est loin d'être idéal, mais on n'a que ça. Envisagez cette option. Docteur Sobek. Je vous ai affecté une base de lancement orbitale déclassée à Bryce dans l'Utah pour que vous développiez Hope Zero. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous ? Je vous ai envoyé une liste de candidats Alpha et Beta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de Holding, donc leur extraction. Je m'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez dessus. Alors j'y vais. La base de lancement orbital ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens ? Qu'a bien pu faire Elisabeth ? Pas fâché d'être enfin sorti. Je vais devoir trouver la base de lancement orbital dont il parlait. J'ai vérifié mes données et localisé la base. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise ? Elle est juste en dessous de la citadelle. Le palais de Brunante. La capitale des Karja de l'Ombre. Ça complique pas mal les choses. En effet, le palais grouille d'agents de l'Éclipse, dont beaucoup sont haut placés, et tous sont équipés d'un focus. Dès qu'ils te verront, Hadès te verra aussi. Il enverra un nouvel ordre d'assassinat, et cette fois, toute la milice des Karja de l'Ombre sera à tes trousses. Alors, désactive leur focus ? Tu l'as déjà fait ? Ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup trop de focus rassemblés. Chacun communique avec les autres et avec Hadès. C'est un réseau entier. Un réseau ? Qu'est-ce que c'est ? Imagine une toile, vaste et invisible, qui recouvre tout le territoire d'un bout à l'autre, reliant tous les focus. Ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances instantanément. D'accord. Donc, il y a un moyen de couper la toile ? Faire planter le réseau, c'est osé. Oui... Il y a un moyen. Un point faible dans le réseau. Dis-moi où. Je t'envoie les coordonnées sur ton focus. Vas-y, et je te donnerai des précisions un peu avant que tu n'arrives. C'était quoi, Hope Zero ? Quel genre de super-arme a bien pu créer Elisabeth ? Elle a arrêté les machines. Mais c'était après que le monde qu'elle avait connu, sa civilisation, se soit éteint. Espérons que ça ne se reproduira pas. Espérons que ça se reproduira pas. Non.
vague. Bon, du coup, prochaine quête. Ah, l'acropole. Je ne sais pas à quel moment il l'indique. Je crois que c'est quand c'est en vert qu'il l'indique. Quand c'est en bleu, ça veut dire qu'il y a un truc à faire. Il faudra que je retrouve la map. Ah ouais, voilà. On a une sacrée trotte, hein. Bon. Bang. Je vous avouerai que... Ah, mais les fleurs de métal, ça faisait quoi? Bon, je pense que je vais m'arrêter là, et que, de toute façon, ça va être aspect farm en off pour moi, là. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la HOUI-attitude. Comme déjà le Poku, vous connaissez la chanson, vous conseillez sous ce dicton. Je vous laisse. Je fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao bye, bouti bouti, et que l'amour du Pélios avec vous. Peace!